et Kolo Touré, un but. La touche pour la Côte d'Ivoire. Benteke va céder sa place à Romelu Lukaku. Benteke qui a fait sa part de boulot. Oui, mais le but qu'il rate va lui bouffer un peu de confiance. Bon, mais à 2-0. Ouais, 2-0, ouais. Bon. Et puis, bon, je veux dire, c'est aussi pas sa faute, hein, l'état du terrain, lui. Le stade Roi Baudouin. Ouais. 73 minutes. Alors, l'élève et le maître sont sur le terrain. Oui. 73 minutes, Belgique 2, Côte d'Ivoire 0. Drogba, Serge Aurier, Kolo Touré, Didier. Et la faute commise sur Didier Drogba qui devrait lâcher un peu plus le ballon. Ouais. Benteke qui a pris un coup à l'épaule. Yaya va lever. Ici, et Drogba qui va réduire la marque à la 73e minute. Eh oui, Didier Drogba, eh oui. Alors, il signe son entrée. Alors le maître prend l'avantage sur leur confrontation directe. On va se réjouir de ça. Regardez ce ballon de Yaya Touré. Et le cafouillage. Heureusement que Salomon ne touche pas parce qu'il est... C'était plutôt Kolo. Kolo, pardon. Regardez. Didier Drogba qui va... Son 64e but en équipe nationale, je ne me trompe pas. Oui, donner l'espoir aux Ivoiriens. Et voici le but ivoirien signé Didier Drogba. Il reste 15 minutes pour ressortir de ce stade avec un résultat honorable. Mais les Belges repartent. Récupération ivoirienne, allez. Tout de suite. Il faut donner de l'allant. Dommage. Et la mauvaise passe de Yaya. Pas perdre des ballons comme ça. Attention à lui. Hein. Lukaku, ils se connaissent. Ils jouent tous en Angleterre. Ouais. Lui est Kolo Touré. Et un joueur qui s'est effondré. On va tout de suite prendre les nouvelles. Il semble avoir reçu un coup de coude. On le verra certainement au ralenti. La Côte d'Ivoire avait déjà participé à la Coupe du Monde, la première pour le pays, en 2006 en Allemagne, avec pour sélectionneur Henri Michel. En Allemagne, la Côte d'Ivoire avait eu deux défaites et un match nul. Une défaite contre l'Argentine 2-1. Une autre défaite 2-1 contre les Pays-Bas. Et puis victoire 3-2 contre la Serbie-Monténégro. La deuxième participation, c'était en Afrique du Sud en 2010. Encore une fois, une poule compliquée avec le Brésil, le Portugal. La Côte d'Ivoire va perdre contre le Brésil, va également perdre contre le Portugal. Ce n'est pas 0-0 contre le Portugal. Et 0-0 contre le Portugal, bien sûr. Et attention à ces Belges, l'ouverture de Lukaku qui passe à côté.